un jardin qu'on a aménagé comme on a pu au fur et à mesure du temps. On est souvent parti, on est toujours sur la route, parti par-ci, par-là, en France, à l'étranger. Donc quand on était là, on s'est arrangé ce jardin d'une autre manière, avec, en gardant un brin de folie. Et puis on l'a parsemé d'objets insolites, mais qui sont en résonance avec notre passé, notre présent, notre futur. Mais vraiment, la fonction première de cet endroit, c'est se ressourcer et faire surgir l'acte créatif et la danse. 1, 2, 3, 4, la cuisse, la cuisse. Sur 2, tchou. Là, c'est un d'envahissement de l'espace. Est-ce que... C'est-à-dire que essaie d'utiliser chaque feuille que tu vois. Il y a eu la question d'un endroit de paradis, un endroit où on est bien. Pour moi, un endroit où on est bien, c'est l'endroit où l'on crée. Puisque je suis créateur de base, je suis bon qu'à ça. Ça a été pour nous comme une évidence. Après, je crois, le premier jour, quand on est arrivé ici, on s'est installé, on s'est dit, mais c'est le lieu exact pour danser. On l'a trouvé, ce portail ici, encore complètement rouillé, à l'abandon. Ça devait être un ancien portail de la ferme avant, forcément, il était là. Donc on l'a porté, il est hyper lourd, on l'a mis là, et puis on l'a repeint. Bon, ça y est, le lierre, la nature reprend déjà ses droits un peu. C'est comme ça. On l'a mis là, et puis il y a une espèce de... La belle et la bête. En fait, c'est ta peau, la peau de l'eau, c'est ta veste, c'est ton être... La porte, il faut la reposer sur ces pierres d'ailleurs. Oui. Et c'est fermé un peu. Oui. Toutes ces portes ? Toutes ces portes, on les a trouvées ici en arrivant. Elles étaient entreposées dans la grange, donc il y avait l'idée bête de les mettre sur eBay et de les vendre, ce qui ne nous a pas du tout... du tout plus. Et donc elle restait là, et un jour on s'est mis à les peindre toutes les couleurs et à les installer, soit sortant de terre, soit suspendu. Dans le village, les gens savent, c'est le jardin des portes, et tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est accepté, et je crois que les gens aiment bien. Après, il y a après des gens qui ont planté des fleurs, ben nous on a planté des portes. Benjamin, on a fait 145 créations. Donc c'est toujours difficile de se dire qu'est-ce qu'on a fait, qui on est. Et ce jardin-là pose ces choses-là. C'est-à-dire que c'était un endroit peut-être qu'on attendait depuis longtemps. Et cet espace-là pose tout ce temps-là, tout ce temps de passé pour pouvoir aller vers le futur. Donc ça reste des moments forts. Hein.